Thank you.
simple, mais plein d'encouragement. Nous savons tous que ce n'est pas encore la fête. Mais ces dernières semaines, plusieurs records ont été battus, et cela nous permet, je crois, de l'applaudir. Je crois bien que chacun d'entre nous, l'en par la radio ou la télévision, mais ça nous fait tant bien de l'extérioriser, n'est-ce pas? Au nom de toutes les personnes présentes et de celles qui auraient bien aimé être ici ce soir, je te souhaite, Gottfried, de tout cœur, bonne chance et bon voyage. Ces mots, simplement dits, expriment toute la fierté, tout le respect que la population a envers toi. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour te remercier de l'exemple que tu donnes, non seulement aux jeunes, mais aussi aux adultes. Oui, sachez qu'il n'est jamais trop tard et que chacun peut trouver le temps de faire du sport, non pour être sélectionné aux Jeux Olympiques, mais uniquement pour le plaisir. Séoul, ville de 10 millions d'habitants, environ 27 heures de vol ou 20 000 km de visée. Cette distance correspond seulement à la moitié de la distance que tu as parcourue lors de tes entraînements depuis Montréal. Ce qui prouve que Séoul, tu y serais déjà arrivé, par toi-même, sans avion, par ton acharnement, ton amateurisme, tes renoncements. Séoul, Gottfried arrive, il t'a mérité! La nuit du 30 septembre. Je sais que beaucoup de personnes de la région, spécialement Visé-Plochter, n'éteindront pas leur TV et qu'ils passeront une nuit blanche pour être avec toi lorsque tu entreras dans le stade olympique, temple de l'effort à l'état pur. Sache aussi que devant nos écrans, quitte à réveiller ceux qui oseront encore dormir, nous t'acclamerons, la larme à l'œil, en t'encourageant de cette façon. Go!